Je suis contre la vente de médicaments qui nécessitent une information donnée par le pharmacien, c'est tout. Mais pour acheter du Doliprane, l'aspirine, bon, bah, il vaut mieux aller en grande surface, pareil. Le conseil du pharmacien est relativement important, surtout quand on vient sans ordonnance. Voilà, avec une ordonnance, on sait ce qu'on vient chercher. C'est vrai que le conseil du pharmacien est valorisable. Ils ont fait des études longues et difficiles et c'est inadmissible. Chacun son métier. Voilà, j'appelle ça prêt à tout et bon à rien. Hein, on ne peut pas être à la fois charcutier, traiteur, marchand de tout, marchand de médicaments. Non, je suis contre. Je préfère aller en pharmacie pour la sécurité, pour avoir des renseignements, pour on ne sait jamais. Hein. Voilà, en grande surface, c'est une vendeuse ou en voilà, c'est acheter un camembert ou un médicament, ça va être pareil. Donc, je préfère aller en pharmacie. J'ai une mère qui habite la campagne, et donc il y a des pharmaciens là-bas qui rendent beaucoup de services. Et si on supprime les pharmacies là-bas, comme elle a 84 ans, elle ne peut pas aller dans un centre commercial ou un supermarché. Donc il n'y a pas que la notion de pharmacie en tant que vendeur de médicaments, il y a aussi une proximité pour les gens qui n'ont pas accès aux centres commerciaux.